Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 25 de notre série sur YouTubers Life avec notre équipe de gamers Becky, Malia et Kigan. Ou j'aurais peut-être dû mettre Kigan en deuxième parce que c'était lui qui est arrivé en deuxième. Mais bon, peu importe. Tout va merveilleusement bien. On travaille régulièrement. Kigan et Malia font du bon boulot, bien sûr Becky aussi. On est bientôt 500 000 abonnés, il va falloir surveiller ça de très très près parce qu'il y a du coup deux vidéos qui vont sortir coup sur coup. Donc là, les 500 000 vont être atteints très rapidement. Donc c'est parfait, on a Kiana qui crache toujours sur les vidéos, c'est pas très grave. Kendall, bon Kendall, on le connaît pas, mais bon c'est pas grave, il dit ce qu'il veut, on s'en fiche un tout petit peu. Je vais tenter peut-être, alors attendez, que je regarde. Yay, merci Nintendo pour l'argent. On résout le petit problème de... Ah dommage. On résout le petit problème de droit d'auteur. On regarde les commentaires de la dernière vidéo avec encore Kiana qui décidément est au taquet pour dire du mal sur les vidéos de Becky. On va demander à Malia de faire une vidéo par elle-même et je vais avec Becky améliorer une station de travail, si possible. Et on va tenter celle-là. On a déjà fait une collaboration dessus. Tu vas utiliser la station 2. J'aimerais tenter d'améliorer la station 1, si possible. Donc, ok. Donc, gameplay numéro 2 par Malia. Youpi. Maintenant, c'est bon. Hein. J'ai bien retenu l'orthographe de son prénom. Donc, avec Becky, on va tenter d'améliorer cette station de travail. Parce que, bon, on a tellement d'argent. Autant améliorer cette station de travail. Mais je vais quand même regarder. Ah oui, je vais peut-être regarder même avant. Ce serait plus prudent. Combien. Non, merci Bernard. Toujours pas cette fois. On doit d'accord 2 880 $ et 8 centimes donc pour le loyer, pour les salaires, donc ok, donc 2 800, on peut très largement améliorer une station de travail. Désolé Kigan. Kigan voulait le PC mais il ne l'a pas eu. Déception pour Kigan. Donc attention aux dépenses. Bon, on va quand même surveiller un tout petit peu, mais bon, du moment qu'on descend pas en dessous de 2 800, il n'y a absolument pas d'inquiétude à avoir. Peut-être que je devrais pas tout faire d'un coup quand même, c'est assez imprudent. Je vais au moins améliorer la tour et l'écran, allez. Et boum, on achète. Et on va aller aider Kaden à faire sa vidéo. Voilà, parce qu'il a envie de faire une collaboration avec Becky, donc aucun problème. Et en général, les gens qui nous appellent pour faire des vidéos chez eux sont plutôt généreux. Hein. Donc, Kaden, on va en faire notre ami. On va accepter son invitation. Voilà, c'est parfait. Boum, la nouvelle tour pour cette station. Waouh, 575 $. Mais le mec est hyper généreux. Bah merci. Merci beaucoup. Alors Malia, ta vidéo elle attendra parce que tu n'es plus là. Ah bah si, elle est là. Alors j'ai vu, on a dépassé les 500 000 abonnés, bon ça c'est sans surprise. Et magnifique, Malia est en train de produire du très bon contenu, donc ça c'est magnifique. On va demander à Kigan de faire une vidéo. Alors il faudra quand même que j'achète des consoles et des jeux quand même, surtout des consoles en fait. Parce que ce serait pas mal d'avoir de nouvelles consoles. Allez. Terrible Octopus of Love, et c'est toi à ce jeu-là, un jeu qui a été fait en vidéo par Becky et Malia, et là je vais faire en manuel, je vais vraiment faire le montage moi-même, je vais faire la vidéo avec vraiment avec Kigan. Donc ok, Terrible Octopus of Love, numéro 3 pardon, je pensais aux 8 pattes des poulpes. Gameplay number 3 by Kigan. Bon, allez, on va dire j'ai 8 bras. J'ai 8 bras, ça va être drôle. Bon, évidemment, ce ne sont pas des bras, ce sont des tentacules, mais bon, je ne sais pas comment on dit tentacule en anglais, ou je l'ai oublié. Je vais dire des bras. C'est pas grave, on s'en fiche, tout le monde comprend ce que c'est. Et puis, c'est rigolo d'imaginer Kigan avec 8 bras. Voilà. Alors, améliorons ces stations de travail. Et bien sûr, il va y avoir la vidéo de Kigan. Donc, on se concentre. Ouais, j'ai l'impression qu'il a le même nombre d'ampoules au départ que Becky. Hein. Donc, en fait, j'ai l'impression que Malia et Kigan sont liés à Becky. Ils ressentent la faim comme Becky.
Ils ressentent la fatigue comme Becky, en même temps qu'elle, exactement. Et là, pour l'instant, j'ai des cartes pourries hein, pour Keegan. Et je fais des mauvais choix. Alors, cutscene. Non, mais je savais que c'était pas une bonne carte. J'ai fait l'épisode tout à l'heure, l'épisode 24. Bon, c'est pas possible de rien retenir comme ça. Kev, enfin. Ah, viens, Kev. Bon, remarquez, je vais me souvenir que j'ai fait la bêtise deux fois. Et du coup, la prochaine fois, je sélectionnerai une autre carte. La carte avec le petit bonhomme qui tire la langue. Tiens, c'est peut-être ça qu'il faut faire pour le plot twist. Ouais. Parfait, j'avais repéré ce truc-là, par contre. Donc, ok. Comment ça, waiting for video? Ah, c'est Keegan qui fait son truc sur la station 2, non? Mais non, Keegan, il fait son truc sur la station 1. Ouais. Ah, mince, d'accord. Oui, il faut que je fasse... faut vraiment que je fasse le truc de Keegan en priorité. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai cliqué partout, du coup, le jeu n'a pas aimé. Allô? On est de retour, j'ai bel et bien fait planter le jeu. Alors, on en est où? Du coup, on n'a plus de vidéo qui est en cours. On va faire la vidéo de Keegan d'abord, et après on va se concentrer sur, sur l'achat de matériel. Voilà, Terrible Octopus of Love. Et je crois que l'auto-sauvegarde marche très bien pour ce jeu, hein, donc je pense qu'il n'y a pas eu de trop de pertes au niveau de ce qui a été fait. Non, je pense qu'on est ok, hein. Plus de 6 000 $, donc là on est vraiment plus qu'ok. Pardon, je vais faire un truc quand même qui est plus malin. Avant de faire la nouvelle vidéo, je vais quand même changer de network. Voilà. Parce qu'on peut maintenant joindre l'autre network, celui qui est au-dessus de Total Media. Donc il faut absolument qu'on le fasse. Et cet autre network, c'est Maximina, pardon. Et donc on va rejoindre Maximina. Et Monthly Goals, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Quel est cet objectif spécial-là? On verra bien. Joignons Maximina et on va quitter du coup Total Media qui va nous bannir pendant un mois. Donc, du coup, si je quitte et que je reviens, voilà, on est chez Maximina. Donc, Exclusive Access to Important Events. Oh, accès exclusif à d'importants événements, ça c'est cool. Et apparemment, on est contraint par Maximina d'assister à au moins un événement important au cours du mois. Bon, après, les 200 000 vues, les 10 000 abonnés, c'est pas dur. Parfait, donc Keegan, cette fois-ci, t'es bon pour ta vidéo sur Terrible Octopus of Love. Oh. Donc on va faire pareil, station 1. Donc c'est plus exactement la troisième vidéo sur ce jeu. Et on va donner le même titre. Et cette fois... Mince, j'ai mis en automatique. Ah, manuel. Ah, faut que je recommence. Malheur. Oui, j'ai fait l'accent allemand sans m'en rendre compte. Je sais même pas pourquoi. Oh, et puis zut, hein. J'en ai marre de faire trois fois les mêmes choses. Ok. Et ben voilà, parfait. On va pouvoir entamer un mois complet avec Maximina. Il faut que je retienne le nom de ce network parce que c'est pas naturel pour moi. J'ai envie de dire Machinima. Donc c'est parfait, donc on a pu payer toutes les factures, magnifique, on avait même plus du double de ce qui était nécessaire, et ça c'est parfait. Donc Keegan va faire sa vidéo. Ah non Malia, faut que tu partes là Malia. Alors, voilà Malia s'il te plaît, merci. Laisse Keegan faire sa vidéo. Voilà, on l'aide un tout petit peu. Là, pour le coup, finalement, c'est peut-être un coup de chance, parce que Keegan a de meilleures cartes, maintenant. Ça, c'est cool, finalement. Finalement, c'était un mal pour un bien. Critique, peut-être, pour le... Ouais, critique drôle pour le tuto. Très bien. Donc, on a de la chance, on a de bonnes cartes, on a des cartes pas trop chères. Donc, ça, c'est nickel. Nickel. Pff, on est déjà à plus de 4 000 $, c'est juste magnifique. Ah, niveau ampoule, on va peut-être en manquer vers la fin. Parfait.
On a une carte qui est pas trop chère. Comme ça, ça fait 4 points en moyenne pour la fin. Et bien sûr, on tombe sur, un élément, enfin un événement, on aurait dû avoir une carte où la carte qui était nécessaire était beaucoup trop chère. Voilà. Au niveau du son, c'est cool, là, c'est la qualité. Malia, s'il te plaît, laisse la place à Kigan, c'est lui qui doit... Hein ? C'est lui qui doit avoir... Ah bah oui, forcément, il a attendu, donc il n'est pas content, voilà. Bon, toi, Becky, faudra que tu ailles manger après. Prends soin de toi, Becky, prends soin de toi. Mince. Là encore, l'enchaînement va pas être hyper naturel pour certaines cartes. Ah, fichtre ! Je ne suis pas pleinement satisfait. Bon bah écoutez, on fait ce qu'on peut comme d'habitude. Et une dernière petite carte peut-être. Ouais, bon, ça va pas être hyper beau, mais... Allez, voilà, bim. On améliore le script. La post-prod. La performance. Encore la post-prod. Et le script, parfait. Donc très bien, niveau notation de la vidéo en général, c'est plutôt moyen parce que bon, effectivement, Kigan n'a pas non plus des compétences folles. Alors allons acheter des trucs, c'est très important. On va améliorer un petit peu cette station numéro 2. Alors je sais qu'on n'est pas très productif en ce moment là, mais bon. Alors on va tenter d'améliorer des choses assez essentielles, telles que la tour notamment. Donc voilà, bim. Le moniteur, c'est important également. Allez, bim. Le micro, ça c'est vital. C'est indispensable. Et même le logiciel de montage, c'est hyper important. Et on va s'arrêter là. On va pas non plus trop dépenser d'un coup. Voilà. On va résoudre ce truc-là. Parfait. Le network a agi en notre faveur. On va acheter des consoles hein, quand même. Allez, j'en ai rien à faire. La Xbox 360 et la Play Studio 3. Voilà, bim. Comme ça, on achète des jeux qui sont très bien notés. Et on va faire plein de vidéos dessus. Un Retarded Vampire qui est pourtant pas hyper, hyper bien vu. Donc on va faire ça. Super Llama. Voilà, on fait une petite réserve de jeux. Voilà. On avait de l'argent, autant en profiter quand même. Il faut absolument que Becky aille manger parce qu'elle meurt de faim, là. Elle est sur le point de mourir, la pauvre. Le coup des photos, il y en a marre. Network Event, très bien. Très bien, très bien. Donc, invitation. Invitation au nouveau jeu vidéo. Stylish Alter Lego. Ok. Donc, Alter Lego. Donc, il sera... disponible sur Play Studio 2. Pizza. Et c'est quand cet événement exactement? Le 7. Ok, on est le 5. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a une tenue particulière à avoir? C'est la question que je me pose. Voilà, parfait. On va demander à Malia, je pense, de faire une vidéo toute seule. Donc, make vidéo sur un jeu, peu importe. Hein. La Xbox 360, ce sera pour Becky et Kigan. Donc, pour le duo Becky-Gan. Ouh, ouais, magnifique. Donc, toi, Malia, tu vas faire une vidéo sur Savage Spelling Hell. Le Savage Spelling Hell. L'enfer de... Du concours de spelling, mince, quel est le mot français pour le nom? Bref, peu importe. C'est bizarre comme nom de jeu, hein, en tout cas. Malia, tu vas être sur la station 2. Voilà, on va mettre ça en automatique. Configure your device. Ah mince, pardon. Pardon. C'est vrai qu'on a amélioré le micro. Bon, pareil. Niveau puissance, webcam, on va mettre une résolution basse. Peut-être que je tenterai de faire une résolution un peu plus haute à l'avenir. Bon, on verra bien. On verra bien. Si j'achète deux... Ouais, je devrais acheter de meilleures webcams qui doivent coûter, je pense, moins de points de rendu et qui rapportent également plus de points de post-prod.
Donc Mali a fait sa vidéo sur Savage Spinning Hell. C'est terrible hein, comme nom de jeu, c'est waouh. Et on va... il faudrait dormir un petit peu. Becky, est-ce que le café, tiens... Est-ce que le café fait remonter... la barre de sommeil? Hélas, non. Et Keegan veut aller faire une fête. Enfin, il veut aller faire la fête. Bon, allez, ok. Bon, Malia, t'inquiète pas, la prochaine fois, on ira avec toi. Et en plus, on a de l'expérience pour avoir été à une fête avec Keegan. Merci, Keegan. C'est vrai que je pense pas vraiment à aller à des événements par moi-même. Mais en même temps, on est tellement accaparé dans ce jeu par les vidéos, le fait de devoir faire vivre la chaîne, tout ça. Ah! Fantasy Party, Grand Paradise, tout ça, blablabla. Ouais, des soirées à thème, hein, essentiellement, dans lesquelles on peut aller. Et quand c'est Keegan, par exemple, quand on a des gens qui nous invitent à aller à certaines fêtes, eh bien, il peut y avoir des articles à acheter, mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, mon cher Keegan, c'est cool de te voir là. Est-ce que c'est Desmond ou est-ce que c'est... Ouais, c'est Desmond, on va parler à Desmond. Voilà, on va se réconcilier un petit peu. Est-ce que Kiana est avec toi? Kiana n'est pas avec toi, je l'aurais reconnu parmi... parmi plein de personnes, parce que je sais qu'elle ressemble beaucoup à Becky. Oh, c'est terrible. Ta mère t'en veut parce que tu as échoué à quelques contrôles. Non mais c'est terrible, je comprends Desmond, je comprends. Allez, parlons un petit peu avec Desmond, soyons de très bons amis. Alors on peut pas encore danser avec Desmond. Donc parfait, nouvelle carte, nombre maximum d'ampoules augmentées, de nouveaux articles disponibles dans les magasins de vêtements et de meubles. Et de déco en général, bien sûr. Bon, je vais peut-être pas rester jusqu'au bout de la fête parce qu'on a d'autres choses à faire. N'as-tu pas déjà acheté de PC? Si, Desmond, on en a 3 chez nous. Notre équipe en a 3. Et après, on ira danser avec Keegan quand même. Ah, parfait. Avec Desmond, nous sommes des connaissances. Magnifique. Et bien, à plus tard, Desmond. À plus tard. Je suis content qu'on se soit réconcilié quand même. Parce que cette guerre avec Desmond, c'était un petit peu fatigant. Allez, Keegan. On s'est bien amusé, mais on va partir. Bon, de toute façon, peu importe le temps qu'on passe à la fête, ça compte autant que si on avait passé... les 5 minutes entières à la fête. Parfait. Alors, je suis curieux. Je vais aller jusqu'à cette présentation là de Maximina. Poum, poum, poum. Et on va faire cette vidéo avec Keegan, pardon. Avec Keegan. Collaborate. Donc on va aller sur le jeu de la Zbox 360. Notre première vidéo. Et ce sera sur Summer Llama. Ok. Summer Llama. Ouais, très bien. Le llama d'été, ok. du coup, on l'appelle comment cette vidéo? Je sais pas. Bon, voilà plus Summer Llama numéro 1. Peu importe, on s'en fiche. Mais quel nom curieux quand même pour un jeu. Summer Llama. Alors attention, nous sommes le 7 novembre, nous allons bientôt aller à la présentation de Maximina. Donc c'est parti pour la vidéo en collaboration avec Keegan. Là par contre je vais prendre des cartes très peu chères, les moins chères possibles. Cutscene, Unfunny Comment peut-être? Non, le commentaire pas drôle n'était pas le bon. Expression joyeuse. Après si je vois qu'il me reste beaucoup d'ampoules vers la fin, évidemment je les dépenserai. Voilà. On se dépêche parce qu'il faut aller à la présentation. Donc on sélectionne les bonnes cartes au bon moment. Bah zut. Malheureusement, c'est pas toujours possible. Ah, c'est vraiment pas toujours possible. Voilà, commentaire philosophique. Purée, même en faisant attention, niveau ampoule, c'est chaud. Hein. Allez. Juste pour le x2. Et je ferai le montage plus tard en fait. Je vais d'abord aller à la fête. Enfin à la fête, pardon, à la présentation.
Parce qu'on n'y va pas forcément pour s'amuser, hein. Allez. Est-ce qu'il y a besoin de... Non, d'une tenue particulière? Non, c'est pas indiqué. Quand c'est pas indiqué, c'est qu'il n'y a pas de tenue spécifique à avoir pour avoir un bonus en expérience. Donc, allons voir cet événement spécial. Bon, c'est peut-être juste une présentation de jeu comme les autres. C'est juste que nous sommes tenus d'y assister parce que le network veut que nous y assistions. Voilà, je pense que c'est ça, effectivement. Stylish alter ego. Pardon, alter lego. Blablabla. On n'a pas que ça à faire, hein, quand même, monsieur. Dépêchez-vous. Un jeu de stratégie, ouais. Il sort quand? Il coûtera combien? Oui, bon, le score est bon, ça, tout le monde le dit, même si c'est pas vrai. Serait-ce qu'il gagne au premier rang? Non, c'est pas le premier rang, c'est le rang de devant, pardon. Devant Becky. 10 novembre et 50$, ouais, quand même. Est-ce que c'est qui gagne, là? Juste devant Becky? Bon, on s'en va, donc ça c'est fait. Voili, voilou. Je ne vois pas qui gagne, je ne vois pas Kiana. Toi, je te connais, il me semble. Osvaldo, ouais. On a connu Osvaldo, il me semble. Qui était autrefois une connaissance. Et vas-y, traverse le décor pour parler à Osvaldo, aucun problème. On va lui parler 4 fois, comme ça on sera un petit peu plus loin que le stade de connaissance. Voilà, voilà, voilà. Parce que je me souviens bien d'Osvaldo. Parce que déjà j'aime bien son nom et j'aime bien sa tête. Donc je me souviens bien d'Osvaldo. C'est vrai qu'on a été amis avec lui. Enfin, connaissance à une période. Bon. Qui es-tu, toi? Tu ressembles à Malia. Brianna. Ok. Tiens, ce type a les cheveux roses. Bon, on va pas trop traîner non plus. On pose pour la presse. Et on retourne à la maison. Voilà, voilà. Merci d'avoir assisté à cette présentation de Stylish Alter Lego. On doit donner une bonne impression à nos clients. Très bien. Ok. Donc, on va juste demander à Malia de publier sa vidéo. Et on va se quitter, mes amis. Donc, encore une fois, bah, tout s'est bien passé. Voilà, l'argent rentre, on a du bon matériel, tout ça. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. Prochain objectif, le 1 million d'abonnés pour atteindre, enfin, pour accéder au dernier network. Le plus grand de tous. Et j'ai encore oublié son nom. C'est peut-être... je sais plus. Je sais plus. C'est lequel ? Après tout, c'est pas important. White Bands, ok. Donc, 1 million d'abonnés, c'est notre prochain objectif. On se retrouve très bientôt pour une reprise. Moi aussi, je fais une présentation comme ça. Allez, on se retrouve bientôt pour un autre épisode sur YouTubers Life avec notre équipe de gamers, Becky, Kigan et Malia. Salut tout le monde, à la prochaine.